survol d'esprit, la discussion provocatrice sur le Moyen-Orient a été déprogrammée. À la place, nous allons recevoir un homme qui a acheté un cornet de glace. C'est moi. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait que cette chaîne et la fabrique de glace appartiennent à la même société, mais je digresse. Bon, enfin, occupons-nous de notre sujet. Monsieur Simpson, dans quel état d'esprit avez-vous acheté le cornet du destin? J'ai jamais été à la guerre, mais j'imagine que c'est comme quand on tue la première fois. Le bonheur m'a envahi. Oh! Ça fait trop mal. Qu'est-ce que j'ai raté? Ken Brockman a dit un horrible gros mot. Lequel? Je vais de l'ardoise magique et ardoise magique. Oh, efface, efface. Et ça va pas s'effacer. Oh, et le marteau. Tout à l'heure, dans cette émission, j'ai dit un mot si infâme qu'il ne devrait être prononcé que par Satan lui-même sur la lunette des toilettes. Je fais mes excuses et je vais faire un don important aux œuvres de charité qui combattent les jurons. Bonsoir.